petite histoire que j'ai entendue ce Shabbat sur le rabbin Ismaël Bachaoul, d'une source sûre. Il y avait dans le quartier du rabbin Ismaël Bachaoul, il y avait un légumier. Et un type vient le voir, lui dit, j'ai des problèmes avec ma femme, terrible. Shambait, c'est la guerre à la maison, terrible, qu'est-ce que je fais? Je dis, écoute, je vais chez Rabben Sion, viens avec moi. Et on chez Rabben Sion, et il tape à la porte, il ouvre la porte, et voilà Rabben Sion avec les pantalons retroussés, plein d'eau par terre, et il tient dans sa main le boubi, comme on dit en français, la raclette, d'accord? Il fait ce qu'on appelle en Israël spongeage. En français, pas trop connu, mais de l'eau savonneuse, comme ça, on nettoie tout le parterre. Et sa femme assise comme ça sur le canapé en train de regarder. Bon, le type, il rentre, et il se retourne, et il ne voit plus le légumier rentrer, et l'autre qui était avec lui, il ne voit plus. Bon, lui pose sa question au rab, et il repart. Après, il appelle, il dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai vu le rab, j'ai couru à la maison, j'ai embrassé ma femme. Si lui, le rab, il fait comme ça, alors j'ai beaucoup à apprendre, et j'ai compris que ma femme était une grande, grande tzadéquette, parce que ce que je fais à la maison, c'est 10 fois moins que ce qu'il fait lui, et c'est ça qui provoque toutes les histoires. Donc la Anava, l'humilité du Rav, et l'exemple qu'il avait ici de Shlombait. Ça fait un rapport avec la paracha qu'on a lu hier, à quel point on doit apprendre à s'écraser et à céder, céder, C-E-D-E-R, d'accord, avec sa femme surtout. Et la femme aussi avec le mari, mais plus le mari avec la femme. Yitzhak, il vient chez les Philistins, gras, et il fait fortune là-bas. Le roi Avimelech, c'est le roi, les gens commencent à dire que les crottes des ânes et des chameaux de Yitzhak valent plus que tout l'argent d'Avimelech, tellement il était riche Yitzhak. On lui a donné un champ à Yitzhak, on l'avait mesuré qu'il ferait une certaine quantité de blé, ça fait 100 fois plus. Et là, super, béni par Hachem. Au bout d'un moment, quand on est dans un village, t'es le gouverneur du village, d'accord, c'est le chef du village. Toutes les maisons font un étage, la tienne fait 2 étages. Bon, t'es content. Ben, tu viens, il fait à côté de toi un gratte-ciel. Ça va plus du tout. Et c'est toi le chef de la région. Ben, tu lui dis gentiment, dégage. Alors il vient vers Israël, lui dit, dégage. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? On peut pas, t'es trop grand pour nous, ça me casse tout, dehors. Bon, il part. Quelques temps plus tard, il vient avec ses généraux, il rentre chez Yitzhak, il va voir Yitzhak et lui dit, écoute, on a vu que tu es béni, faisons un pacte ensemble. Le type normal, il en va balader. Tu m'as mis dehors de ton village, de ton pays. Alors non seulement il accepte, et c'est marqué, Vayas lo mishte, il lui fait un festin. Quoi un festin? Il accède encore, toi gentil, tu signes, tu pars, voilà, au pire des quelques noisettes et dégage. Un festin. Ça, c'est l'humilité, c'est ça, les grands d'Israël. C'est nos patriarches. Chaque juif doit dire jusqu'à quand viendront mes actions. Mes actions seront comme celles de mes ancêtres, Abraham, Israël et Yaakov. Donc, arriver à un niveau d'humilité pareil avec celui qui t'a fait du mal, l'excuser, accepter, être gentil, et surtout avec nos conjoints. Soit la femme par rapport au mari, et le mari par rapport à la femme. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.